Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est moi, j'ai fait du diamond painting. donc voilà, vous vous rappelez, il y a quelque temps, peut-être un mois, je ne sais plus, j'ai plus les dates, j'avais reçu de la boutique On Day Saving, si je me trompe pas, mais comme d'habitude, je vous remets là en bas et je vous remets tous les liens nécessaires en barre d'infos. J'avais reçu deux articles qui étaient des DIY en diamond painting. J'avais choisi une boîte à mouchoirs et j'avais choisi une pochette. Voilà, une pochette en simili cuir avec un peu style mandala, un demi mandala sur la pochette. Et ben je l'ai fait, ça y est, voilà, c'est fait, j'ai mis le temps. Je l'ai fait ce matin, très rapide, hein. Ça m'a pris quoi, beaucoup moins d'une heure. Et on va dire, trois quarts d'heure, il y a encore, voilà, pour le faire. Et donc ce sont tous des strass, des diamants spéciaux, voilà, qui sont dessus. J'étais bien fournie en strass et en diamants spéciaux parce qu'il m'en reste pour chaque référence, il m'en reste pas mal et voilà. Donc là-dessus, c'était un point positif, j'avais ce qu'il fallait pour le faire. Ensuite, à la fin de la vidéo, par contre, vous verrez que là, comme c'est une pochette, je l'ai vernie pour pas que les perles bougent. Et donc, c'est ma toute première fois que je vernis un objet ou voilà. Je ne l'ai jamais fait avant. Mais maintenant, je le fais parce que je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein, parce que je l'ai sous la main là tout de suite. Non, mince, on ne sait rien. Vous savez, les boîtes cubes que on peut mettre des strass ou ça sur le devant. Moi je l'avais pas vernie et là elle commence à s'abîmer, j'ai les perles qui partent en cacahuète. donc ça je vais certainement me le réparer puisque j'ai encore des strass, donc je vais certainement le réparer et après je vais le vernir parce que du coup ça m'embête quand même que les perles elles partent et en plus avec les chaleurs qu'il fait maintenant ça se décolle quand même plus facilement. Voilà, la colle se ramollit et mais du coup les perles, elles se barrent. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, aujourd'hui vous allez me voir en train de faire cette petite pochette. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire vraiment. Je vais certainement ranger des choses pour le diamond painting ou pour la broderie ou voilà, je verrai. Oui, mais c'est pas une pochette que je vais me servir pour sortir à l'extérieur. Voilà, au risque de l'abîmer, malgré que j'ai verni, je n'ai pas envie de l'abîmer. Mais bon, elle me servira. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Voilà, donc une prochaine fois, je ferai la boîte à mouchoirs. Bon, elle va être plus longue à faire, hein, parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4. Il y a 5 faces à poser les perles. Enfin, les strass et des strass sur celle-là. Je crois que je l'ai. Oui, je l'ai sous la main. Attention que je ne tombe pas. Voilà, c'était celle-ci, voilà, qui était dans une boîte. Je vous la remontre pour. J'arrive à l'ouvrir. Bon, tu veux t'ouvrir? Je ne veux pas, ça ne veut pas t'ouvrir. Alors, hop, voilà, c'était ça. Rappelez. Donc ça, la prochaine fois, je vais le faire. Et de toute façon, là, il y avait beaucoup de strass. Pardon. Hop, je vous les remonte en vitesse. Hein. C'est pas le but de la vidéo. Ah oui, je me rappelle. Tout petit. Il n'y avait pas plus petit. Heureusement qu'on en a toujours d'avance. Hein. Donc voilà, c'était avec ces couleurs là, hop, que je vous montre. Voilà, ici. Alors peut-être que sans la lumière on voit mieux. Oui, un peu.
Donc, du jaune et du transparent. Du vert. Voilà. Et du rouge. Voilà. Hop, je rallume. Donc, voilà. La prochaine fois, je ferai donc la boîte. Bon, elle va prendre un petit peu plus de temps, comme je vous ai dit. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais il y a beaucoup de losanges. Voilà. Et tous les losanges sont à remplir. Tous, sans exception. Donc, voilà, un petit peu à la fois, je vais la faire. Et je vous montrerai ça. D'ailleurs, je vais le descendre en bas. Comme ça, je vais l'avoir sous la main. Par contre, sur le petit plateau... non. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le descendre comme ça dans la semaine ou ce week-end, puisque là on est quoi? On est vendredi. Donc peut-être que ce week-end je la commencerai. Voilà. Donc vous verrez ça en vidéo. Donc aujourd'hui c'est la pochette que j'avais eue donc en même temps que cette petite boîte. Voilà. Allez, je vais vous laisser visionner cette vidéo. Si vous avez des questions, c'est pareil, c'est toujours en commentaire, ça n'a pas changé de place. Si vous voulez me donner votre avis, me dire ce que vous pensez de cette pochette, c'est pareil, n'hésitez pas. Au passage, des petits pouces, ça fait toujours plaisir et ça fait connaître la chaîne. Et puis, les pouces sont un peu une récompense pour les personnes qui font les vidéos, donc moi. donc n'hésitez pas à faire des petits pouces. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y. Il y a de quoi voir sur ma chaîne. On est arrivé à... On n'est pas loin des 1250, je crois, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus. Donc 1250 vidéos à visionner pour les longues soirées d'hiver. donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui est à côté de s'abonner, comme ça vous recevez toutes les notifications de la chaîne. Voilà, allez, je vous laisse visionner, j'arrête de blablater et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage.
Thank you.